Autrefois, dans un petit village, il y avait un fermier qui n'avait pas une thune. Et il avait une dette envers un vieil homme un peu chelou. Comme le fermier avait une fille très jolie, le vieil homme chelou proposa un marché. Il leur dit qu'il mettrait un caillou blanc et un caillou noir dans un petit sac et que la fille du fermier piocherait à l'aveuglette. Si elle pioche le caillou noir, il épouse la fille du fermier et la dette est effacée. Mais par contre, si elle pioche le caillou blanc, la dette serait effacée et c'est tout, pas besoin de l'épouser. Et si elle refusait cette proposition, son père était jeté en prison. Il faut savoir que là où ils étaient, le sol était blindé de cailloux. Sauf que le vieil homme chelou est un petit tricheur. C'est-à-dire qu'il a mis discrètement deux cailloux noirs dans le sac. Et la jeune fille, discrètement, l'avait vu. Alors la jeune fille piocha un caillou, elle le fit tomber directement et dit « Qu'est-ce que je suis cruche ?» Et vu que le sol était blindé de cailloux, on ne pouvait pas savoir c'était lequel qu'elle avait pioché. Alors elle dit « Mince, je l'ai fait tomber. C'est pas grave, on n'a qu'à voir le caillou qui est dans le sac et on verra lequel j'ai pioché. » Alors il regarda dans le sac et évidemment, c'était un caillou noir.